Les amis, c'est Merdegan Villain, j'espère que vous allez bien. Initialement sorti en 2010 sur Nintendo DS, et oui, voici aujourd'hui le remaster de Sonic Colors, à qui on y ajoute le sympathique nom de Ultimate. Ce Sonic Colors Ultimate est désormais disponible sur PC, Switch et les consoles PlayStation et Xbox en version dématérialisée uniquement, et de ce que j'ai compris, à cause d'un problème de logistique, les versions boîte arrivent un peu plus tard. Mais pour l'heure, nous sommes sur la version Series X en 4K 60fps. Allez, fini la parlotte, place au jeu, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage, et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu. Bisous! Bienvenue au grand parc d'attractions interstellaires Stegmas, où vous profitez de 5 planètes pour le prix d'une! Il aime s'entendre parler, mais je dois avouer que cet endroit est incroyable! Tout le monde va vouloir venir ici en famille! Sans doute. Je me demande pourquoi on est ici. Il n'y a rien de dangereux. Oui, mais Eggman plus parc d'attractions secret égale plan diabolique à déjouer. Heureusement qu'il n'est pas très doué pour cacher ses projets. C'est clair. Ce serait assez dur de pas remarquer un parc d'attractions géant flottant entouré par des planètes. Mais je suis pas sûre que ce soit un de ces plans diaboliques. Wow! Diabolique ou pas, impossible de rester indifférent devant ce spectacle. C'est magnifique. Je suis simplement étonné d'avoir pu entrer aussi facilement. C'était pas aussi facile que ça. Bonjour les enjoyeux, serrez vos ceintures, car l'ascenseur spatial fulgurant d'Eggman va vous propulser dans un monde merveilleux, interplanétaire. J'arrive pas à croire que quelqu'un a été assez bête pour laisser les clés dessus. C'est comme si Eggman voulait qu'on sème la pagaille. Oh là là, cette machine va vraiment super vite. T'appelles ça rapide? Ce parc d'attractions a été conçu uniquement pour me faire pardonner mes actes passés et n'a absolument rien à voir avec un plan diabolique ou un acte prémédité. Nous voilà tirés d'affaire. J'ai mal à la tête, rien que d'y penser. Ta puce vocale s'est encore bloquée sur le cow-boy. Tais-toi et capture ces aliens. Venez ici, bande de vermines. Revenez ici. Je vais vous avoir. Venez ici. Ça va être la bagarre. Tiens. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe, mais je sais ce que je vais faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Wow! Voyons voir ça. Faut connecter le condensateur framistatique au modulateur d'optimisation. J'aimerais bien comprendre ce que tu dis, petit. Ou petite, enfin, selon ce que tu es. Oh là là! C'était vraiment fou! Oh, je reconfigurais mon PDA en traducteur pour comprendre ce petit être. T'es allé quelque part? Tu n'as rien vu? J'ai absorbé ces aliens et une énergie folle m'a envahi. Et au bout de quelques secondes, ils sont sortis de mon corps. C'est un peu dur à croire. Bon, dans tous les cas, nous devons trouver Eggman et découvrir en quoi ces aliens peuvent l'aider à accomplir son projet maléfique. Pour ensuite le déjouer, c'est ça? Ouais, c'est généralement comme ça que ça marche. 23, 24, 25... Ah, il n'y a pas assez d'aliens! On va en chercher d'autres? Non, prends-moi plutôt un cheeseburger et un milkshake. Tant mieux! Les cheeseburgers courent moins vite que ces petits aliens à la noix. Idiot! Bien sûr qu'il me faut plus d'aliens! Et des frites avec ça? Ouh, à mon avis, ça doit faire mal. Oups, je dois aller là-bas. Désolé. Mes chers et précieux aliens, leur pouvoir extra-dynamique sera à moi et rien ne m'arrêtera.
Je sais, je le dis à chaque fois. Sauf que cette fois, c'est la bonne. Chef. Quoi? Sonic? Qui tu appelles rien? Puisque le patron a dit « rien ne m'arrêtera » et que Sonic est ici pour l'arrêter, il insinue que rien, c'est en fait Sonic lui-même. Eh ben, en voilà un qui a compris ma remarque. Bien. Puisque tu es aussi futé, cher robot, occupe-toi de tout ça. À toi, Big Boy. Au moins, je sais qu'il ne manquera pas son coup. Hasta la bye-bye, les filles. J'imagine qu'il est temps pour moi de commencer à arrêter. Ah oui, je vois. Tu passais ? J'ai fait des courses, j'ai mangé un morceau, puis j'ai détruit un robot géant. Ah bon ? Il y a des supermarchés ici ? Il y a de tout ici. Au fait, tu en es où avec ton traducteur ? Je crois que c'est fait. C'est un code binaire. Il n'y a que moi qui peux le lire. Bon, demande-moi quelque chose. Qui es-tu et qu'arrive-t-il à ton peuple ? Ok. Il dit qu'il s'appelle Tchatcher et qu'il vient d'un soda lointain où les fleurs les arrosent de danse. Ouais. On dirait que ton appareil n'est pas encore au point. Ouais. Ça, je m'en doute un peu. Bon, il a dit qu'il s'appelait Yakker. Son peuple s'appelle les Wisps. Wisps? Non, Wisp, avec un W. Je vais juste dire Alien, si ça dérange personne. Ok. Un méchant les manipule soit pour avoir leur pouvoir magique, soit pour en faire des caleçons pour habiller des salades. Oh. Je n'entends que sauver-les encore et encore. Pendant que je détruisais des robots, j'ai vu une carte avec des endroits intéressants. Je pense que je vais aller voir et peut-être sauver des aliens. Le chef a dit de récupérer toutes les pièces manquantes. D'un point de vue de robot, notre travail est vraiment glauque. J'y pense même pas. Si tu le dis. Il manque un bras. Tu as un bras? Non. C'est si important que ça? Non, sans doute pas. Prochain arrêt, Sweet Mountain. Notre paradis sucré est l'endroit idéal pour célébrer votre anniversaire. Évitez d'avoir à le péter. Si j'étais un alien en danger, où irais-je? En pratique, j'ai appris à examiner tout ce qui brille. La pratique m'a aussi appris qu'il faut détruire les robots pour régler les problèmes. Nous prévenons les visiteurs qu'il ne faut pas nourrir, caresser ou sauver les aliens. Pardon, le robot géant. Mais on peut parler ou tu préfères te battre ? Oh, my God.
C'est bien ce que je pensais. C'est parti, mon kiki. D'abord, n'oublie pas que mon traducteur est un prototype. T'inquiète, j'ai pas oublié. Bon, ces aliens sont faits d'une énergie ultra puissante, nommée extra-dynamique. Elle est à l'intérieur d'eux. Un peu comme une pile? Non. Enfin, presque. C'est leur source de vie. Rappelle-toi ce qui t'est arrivé. Une pile est un euphémisme. Le plus drôle, c'est que c'était d'abord traduit comme odeur corporelle putride. Et le méchant que tu dois connaître et qu'il nomme le chauve poilu était... Le chauve poilu, c'est la meilleure de la journée. Celle-là, faut pas que je l'oublie. C'est bon, je l'ai déjà noté. Je disais donc qu'ils drainaient leur pouvoir, tout leur pouvoir pour un méchant... Mammifère aquatique? Un méchant dauphin? Non, un défunt crapaud? Oh non! Pour défunt crapuleuse! Intéressant, continue à recueillir des informations. Hé, hey, où vas-tu? Voir le chauve poilu, évidemment! Je sens que ça va devenir son petit nom, Eggman le chauve poilu. Prochain arrêt, Starlight Carnival! L'échelle phénoménale de cette flotte spatiale illuminée vous donnera l'impression d'être insignifiant.
Ce parc est gigantesque. Ouais, Eggman pourrait se trouver partout. C'est vrai, et pourtant je me trouve juste derrière ce générateur. Allez, le hérisson, pas bouger, fais la gentille petite cible. Tails, c'est toi qui marmonne? C'est mon ami maintenant. Qu'est-ce que tu lui as fait? Moi? Mais rien du tout. Par contre, mon rayon hypnotique alimenté par de l'énergie alien y est peut-être pour quelque chose. Là, se pourrait-il? Pour m'attraper, tu vas d'abord devoir passer par ton petit camarade. Tout ça se passe encore mieux que prévu. Et je n'ai fait qu'utiliser un mini prototype. Profites-en bien tant qu'il fait encore. Mais j'y compte bien. Et si vous vous affrontiez, ce serait la cerise sur le gâteau. Allez, Tails, résiste, mon vieux. Tu ne veux pas faire ça. Comment? Tails, mon ami, tu vas bien? Où suis-je? Pourquoi est-ce que mes moustaches frémissent? Fichu énergie alien de bas de gamme. N'ai plus de jus, mais j'en aurai plus, beaucoup plus, et ce n'est pas qu'un plouc que je contrôlerai, mais l'univers entier. En attendant, amusez-vous bien. Je vous laisse avec votre guide touristique privé. T'as perdu ton pari, Tails. Je t'avais bien dit qu'il avait un plan diabolique. On n'est pas venu ici pour rien. C'est même le méchant qui nous le dit. Mais on n'a pas fait de pari. Et zut! We'll be right back.
note auprès du guide? Oui, je crois qu'il est pas prêt de l'oublier. Hé, hey, Hacker! Au fait, il t'en a dit plus? C'était pas facile, mais ouais. Bon, on sait déjà qu'Eggman veut se servir de l'énergie volée pour créer une arme hypnotique. On l'a apprise à nos dépens, cette info. Est-ce qu'on sait comment Eggman attrape tous ces aliens? Oui, oui. Au début, je croyais que Hacker disait que le chauve poilu faisait des rots pour ça. C'est vrai qu'il est bourré de gaz. L'odeur pourrait en effet les assommer. Je sais pas, ça me paraît bizarre quand même. En effet, ça n'a aucun sens. J'ai fait quelques réglages et il disait en fait générateur. Donc, pas de rots. Ouf, tant mieux. Je te le fais pas dire. En fait, Eggman se sert de 5 générateurs de rayons à traction pour bloquer leur planète en orbite pendant qu'il prélève les aliens. Il bloque toute la planète? Elle est toute petite, mais... oui. Ok, 5 générateurs. Eh bien, j'en ai déjà démoli 2. Donc, si mes calculs sont bons, il en reste 3 à détruire. Calcul bon ou pas, je te suis jusqu'au bout, mon ami. Alors dépêchons-nous. Hacker m'a dit que les aliens n'avaient pas beaucoup de temps. Quand je cours, plus rien ne m'arrête. Bientôt, l'arme hypnotique sera complètement chargée de l'énergie que j'ai soustraite des aliens. Et le monde de Sonic sera au cœur de mon parc interplanétaire. Tu crois que t'arriveras à récolter assez d'énergie pour dominer toute la planète? Bien sûr que je vais y arriver. Où est ta nouvelle puce focale? J'ai la clé ici, chef. Il n'y a plus qu'à l'installer. L'os de la pensée est connecté à l'os de la parole. L'os de la parole est connecté à l'os de la bouche. Et voilà, tout vaut tout neuf. Enfin, il n'y avait rien de plus agaçant que cette voix de cow-boy. Évidemment, je me sens d'aplomb avec cette nouvelle puce vocale, Bouchaillon. Désolé, matelot. Mais moi et mon équipage, on met les voiles en quête de butin. Ça doit être la mauvaise puce vocale. Ah, vraiment? Es-tu bien sûr qu'il n'a pas une voix de pirate d'habitude? Voyons le bon côté des choses, sa voix assez exotique en fait. Va le trouver et remplace-moi cette puce! Bientôt, je n'aurai plus besoin de ces abrutis. Dans quelques heures, le monde de Sonic sera sous mon contrôle. Et alors, il deviendra le clou du spectacle de mon parc. Ce sera le plus grand parc d'attractions de tout l'univers. Oh zut! Je me suis froissé un muscle en me gossant. Prochain arrêt, planète Whis. Cette attraction est actuellement hors d'accès et toujours en construction. Sans doute pas encore assez dangereuse. Cet endroit soit inconnu, il me rappelle beaucoup Eggman. Je crois qu'il le transforme peu à peu pour qu'il fasse partie de son parc à thème. Chers invités, si vous entendez ceci, c'est que vous avez pénétré une zone non rénovée. Si vous n'êtes pas un robot, veuillez retourner dans le parc central et ne tenez pas compte des choses diaboliques que vous auriez pu voir ici. Merci. Le thème du parc est de dominer tout l'univers et de conquérir les races extraterrestres. Plus qu'un thème, c'est une réalité. Il se sert d'eux comme carburant vivant intergalactique. C'est minable de faire ça, même pour cette fripouille d'Eggman. Ceci est sujet à des extractions d'aliens aborigènes et à la destruction de ressources naturelles. Les entreprises Eggman ne sont pas responsables. Et t'as compris ce qu'il a dit? Oui, tout le monde a vraiment peur. Ils sont tous choqués à cause des transports publics et d'une infirmière folle. Oh non, oublie ce que je viens de dire. Ils sont tous choqués à cause de la transformation étrange de leur planète qui a été traînée à travers l'univers. J'arrive toujours pas à croire qu'il a kidnappé toute une planète. Comment peut-on faire ce genre de choses? Ils disent que c'est soit avec de la glace, soit avec un rayon à traction. Bon, j'imagine que ce n'était pas de la crème qui sortait de ces générateurs. Si c'en était, je serais déjà allé faire une razzia. Plutôt deux fois qu'une. Bon,
c'est pas tout ça, mais je dois aller mettre un terme à ces rénovations. Et voilà le générateur. Ces trucs sont de plus en plus durs à trouver. Et par expérience, je sais que ces robots sont de plus en plus durs à battre. Sachez que toutes les planètes du grand parc d'attractions interstellaires d'Eggman sont, en ce qui vous concerne, la totale propriété des entreprises Eggman et de ses filiales. Toute photographie, reproduction vidéo non autorisée ou extinction des générateurs est formellement interdite. Merci. Eggman, je vais sauver cette planète et je vais libérer ces aliens. Et aucune loi de copyright dans l'univers ne va m'en empêcher. On gagnerait du temps et il y aurait moins de robots cassés si t'abandonnais maintenant. Sois un peu raisonnable. On savait tous les deux comment ça allait finir. T'es en train de parler au robot cassé qui peut pas t'entendre. Peut-être bien. Ça reste entre moi et lui. Tu vois, l'important ici, c'est que la planète des aliens soit libérée. Absolument. Donc, tu vas oublier le fait que je parlais à un robot cassé, hein? Non. Je savais que tu dirais ça. Tu sais, je t'ai déjà vu sauver la mise plein de fois par le passé, mais je t'avais encore jamais vu parler à un tas de ferraille. Aïe. Prochain arrêt, Aquarium Park. Cette attraction sous-marine est l'endroit idéal pour communier avec la faune aquatique et se faire un copain requin. Ces poissons commencent à me creuser l'appétit. Je veux du sushi. Je doute qu'Eggman ait eu l'amabilité de construire un bar à sushi dans ce parc. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, à faire une nouvelle expérience culinaire ici au grand parc d'attractions interstellaires d'Eggman, à la taverne Sushi.
Désormais avec du poisson. Oh, j'en parlais justement. Quelqu'un a commandé une torgnole? Non, vraiment? Je vois que quelqu'un a commandé une torgnole extra large avec garniture spéciale. Bon, je vais te dire une bonne chose. Je peux pas annuler la commande, donc je vais te donner une torgnole extra large gratis. J'espère que t'es pro. J'aime faire plaisir. D'ailleurs, je suis tout à fait satisfait et un peu malade. Je suis allée manger à la taverne Sushi. Et alors? Sa cruauté est sans borne. Prochain arrêt, Astéroïde Coaster. Foncez à travers et parfois en plein dans les débris spatiaux et régurgitez votre repas en apesanteur. Avec désormais 30% de force.
cet endroit? C'est ici qu'il les transforme en aliens négatifs et bizarres avec l'énergie effrayante. Ah, te voilà. J'ai bien cru que je t'avais perdu. As-tu trouvé quelque chose d'intéressant? Regarde-les tous. Il a capturé des milliers d'aliens. T'en fais pas. On va les sortir de là. Sonic, ça fait longtemps que j'ai pas vu Yaka. Excuse-moi, mon vieux. Mais j'ai un générateur à éteindre.
serais pas arrivé sans toi, mon ami. Merci. Hey, on mérite tous les deux un peu de repos. Ouais, et si on allait dans un parc d'attractions, par exemple? D'accord, mais un parc un peu moins diabolique que celui-là, hein? Alors, tous les aliens sont libres? On dirait que oui. Une fois que le pouvoir s'est dissipé, les verrous se sont ouverts. J'espère que Yakker va bien. Je suis sûr que oui. Tu crois quand même pas que l'arme qui t'avait touché marche encore? Pas sans pouvoir pour la faire fonctionner. Je pense que tout va bien. Voilà qui fait plaisir. Sont détruits, on met les voiles et on rentre chez nous. On a réussi! Comment ça, on? Je me rappelle pas t'avoir vu combattre des robots cinglés. C'est vrai. Eh bien, heureusement que tu as inventé un traducteur qui nous a permis de parler aux aliens et de savoir ce qu'on devait faire. Comme ça, on courait pas dans tous les sens bêtement. Non, attends. C'était moi, ça. C'est pas faux. Toujours est-il qu'on peut enfin quitter cet endroit de fou. On dirait que les aliens sont contents de rentrer chez eux. Je crois qu'on vient de débarquer dans une fête. C'est nous la fête! Nous sommes les invités d'honneur! Carrément! Erreur système critique! Je répète, erreur système critique! L'accès aux attractions est temporairement suspendu! Veuillez évacuer le parc en suivant l'issue de secours! C'est de votre faute. C'est à bout de sonner, croit m'avoir vaincu en détruisant tous mes générateurs. Bien, le canon hypnotique est suffisamment chargé. Rira bien qui rira le dernier. Rire le dernier? C'est bien de rire en dernier. C'est un peu comme être le dernier à comprendre la blague, non? Ouais, moi je ris toujours en dernier et on me prend pour un ahuri. Mais enfin bon... C'est parce que tu es idiot. C'est à moi que tu parles? Oui, c'est à toi que je parle. Tu vois quelqu'un d'autre ici, donc c'est à toi que je parle. On n'a toujours pas réparé ta puce vocale. Hé, arrête de me casser les batteries. J'étais dessus toute la journée. Et qu'est-ce que ça veut dire? Oh, laisse tomber. Dans un instant, tout ça importera peu, car le monde n'aura qu'une chose à l'esprit. C'est quoi ça, chef? Moi. Le canon se retourne contre moi! C'est impossible! Comment ça se fait? Comment ça, impossible? Tes stratagèmes ont toujours été déjoués par... Sonic. C'est son boulot de mettre des bâtons dans les roues. Et il a toujours réussi. Qu'est-ce que tu dis? Il n'a toujours pas réussi! Ah ouais, quand? Oh, tu vois, fais un peu attention! Merci, mon pote!
Hé, ma voix, elle est revenue. Ah, super. Ah, voilà le doux son que mes récepteurs auditifs adorent. Maintenant, je sais pourquoi on lui avait changé sa puce vocale. Ah, mais peu importe. J'ai peut-être subi un revers, mais ceci est loin d'être fini. Je vais écraser Sonic. Ces efforts ont du mérite, ça c'est sûr. Hey Tails. Ouais. Je sens pas trop ce truc. Tant mieux alors, c'est pas que moi. Lorsque le sol vibre sous mes pieds, que je vois un nuage de poussière s'élever avec un grand fracas et que je vois des aliens courant pour sauver leur vie, ouais, je le sens mal. Alors, pourquoi on ferait pas comme les cheveux d'Eggman en s'arrachant? C'est pas le moment de faire de l'humour, mais plutôt de foncer vers l'ascenseur. Désolé, c'était plus fort que moi. Partons d'ici. Ouais, c'est parti. Pour la fin, laissez-moi au moins vous mettre un coup de tampon si vous souhaitez revenir. Je sais que t'essaies de faire ton malin avec ces jeux de mots sur le parc d'attractions, mais ça tombe à l'eau. Dis que tu vas nous détruire, mais arrête d'être ridicule. Satané Sonic! Non seulement tu déjoues mes plans, mais tu déjoues aussi mes discours. Ils m'ont demandé beaucoup de travail. Peu importe, je vous détruirai. Et je serai victorieux. C'est mieux comme ça. Ah oui, beaucoup mieux. Merci. Ce robot est spécial. Il marche grâce à l'énergie de mon petit ami. Il est invincible. Je dirais bien que ce fut un plaisir de vous connaître, mais non. Je dois avouer que j'ai un peu peur. Je crois pas qu'on puisse battre ce type. À tout de suite, mon vieux. Sonic, non! Juste un dernier truc à faire! Quant à toi... Ennemi!
la lumière. Au grand parc d'attractions interstellaires d'Eggman, vous pouvez vous relaxer, sachant que la sécurité est notre priorité. T'en doutais ? Le seul truc qui me tracassait était d'être propulsé dans un ascenseur. Un hérisson doit faire ce qu'il doit faire. Beau boulot, Sonic. Merci. Mais on m'a aidé un peu pour la dernière partie. Merci à vous pour nous avoir sauvés. Il dit... de rien. Ce truc traduit plutôt bien. Ouais, j'ai finalement compris comment il marche. On peut leur parler sans problème maintenant. Oh, super. Il dit... au revoir, mes amis, je dois m'en aller. Juste quand ce truc commençait à marcher. Mieux vaut tard que jamais, mon ami. Derrière, chef. Mon fils, bougez, il faut faire vite. Ma revanche est déjà programmée et elle n'échouera pas la prochaine fois. Bien sûr que non, chef, bien sûr que non. La bonne nouvelle, c'est que quelqu'un a retrouvé sa voix. Je me sens comme avant, j'ai juste envie de parler sans fin. Hé, hey, tu te souviens quand on poursuivait tous les petits aliens? Qu'est-ce qu'ils sont devenus d'ailleurs? Quelle drôle de tête ils avaient. Ils sentaient bon pourtant. Oh. Qu'est-ce que je donnerais pas pour avoir le silence général de l'espace, j'aurais bien mangé ce sushi. J'ai entendu qu'ils utilisaient du poisson maintenant. Dommage qu'on n'en ait pas apporté avec nous. Mais pas pour en manger, vu qu'on est des robots juste pour l'admirer. Oh, j'adore admirer les choses. J'adore les choses. Oh, le feu d'artifice final était génial. Hey, comment t'as fait pour faire tout exploser? Cool. Oh, Sonic, cette fois-ci. Désolé, question. Sonic, pas destructible.